Bonsoir tout le monde. Alors, on vous retrouve aujourd'hui pour parler d'une province, la province qui se trouve tout à gauche sur la carte du Canada, c'est-à-dire la Colombie-Britannique, où peut-être certains d'entre vous vont décider de s'établir pendant leur PVT, que ce soit pendant quelques mois ou peut-être l'intégralité de leur séjour. Je parle du PVT, mais bien sûr, ça peut concerner aussi des stagiaires, des jeunes professionnels, des étudiants ou d'autres publics attirés par l'Ouest canadien. Ce soir, je suis accompagnée de trois experts qui vont prendre la parole chacun à leur tour et vous expliquer quelle est leur expertise concernant la Colombie-Britannique. Donc, en attendant que vous vous connectiez tous, comme d'habitude, je fais une petite introduction sur pvtis.net. On est donc un site d'information et d'entraide totalement gratuit qui vous accompagne depuis plus de 16 ans maintenant, bientôt 17, et qui vous donne de l'information à toutes les étapes de votre projet au Canada. Que ce soit votre demande de permis, généralement pour les permis EIC, hein, PVT, stage, VIE et jeune pro tout particulièrement, la préparation au départ, les démarches à l'arrivée, mais aussi une fois sur place, la recherche d'un logement, d'un emploi, l'achat d'un véhicule, etc. On a notamment un guide des PVTistes au Canada que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site. Et on a sorti également un PDF gratuit en décembre qui est un recueil de 43 témoignages de PVTistes au Canada. Vous verrez qu'ils n'ont pas tous vécu leur PVT de la même façon. C'est assez enrichissant et ça pourrait vous donner des idées pour votre futur PVT. On fait pas mal d'événements tels que celui-ci. Les prochains événements, vous pourrez les retrouver dans l'article qu'on va vous mettre en commentaire de la vidéo, qu'on met à jour tout au long de l'année. Et si vous avez manqué les lives qu'on a fait récemment, je vous invite également à regarder cet article. De tous les replays restent disponibles sur notre chaîne YouTube. On est présent sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook où vous êtes ce soir peut-être, ou la chaîne YouTube, mais également sur Instagram. Sur Instagram, on fait deux choses qui peuvent vous intéresser. Une session de questions-réponses en direct pendant environ une heure, une fois par semaine, tout pays du PVT confondu. Et on fait également un point Covid-19, une fois par semaine, le temps de quelques minutes en story pour vous dire ce qui s'est passé au cours des 7 derniers jours. Je vais m'arrêter là pour la présentation de PVTiste et je vais donner la parole à monsieur le consul général de Vancouver. Est-ce que vous pouvez bien sûr vous présenter et nous dire un petit peu quel est le rôle du consulat et quels sont les services que vous pouvez proposer aux Français? Merci Julie, bonjour à toutes et tous. Je dis bonjour parce que nous avons donc 9 heures de décalage avec la France, il est 9 heures du matin ici. Je vais d'abord remercier Julie et pvtiste.fr pour l'opportunité qui nous est donnée de nous adresser à vous tous et tous pour que vous compreniez mieux ce qu'on fait dans un consulat général. Ce qu'on peut vous apporter aussi comme service et où trouver l'information. Je voulais aussi remercier Julien Mingui et Xavier Fernic pour leur participation, qui aussi pourront partager avec vous leur expérience et leurs conseils. Et puis, un petit salut et un petit remerciement aussi à Graciane Dôme, qui est notre attachée de presse ici et qui a travaillé avec vous pour préparer cet événement et que je remercie aussi d'avoir organisé ça. Donc, moi, je suis Nicolas Baudouin, je suis consul général à Vancouver depuis le 1er septembre. Je suis diplomate de carrière, j'ai 45 ans. Voilà, et je suis depuis 20 ans à peu près fonctionnaire donc, du ministère des Affaires étrangères. Alors, premier point, qui sommes-nous ? Nous sommes un service du ministère des Affaires étrangères et donc on appartient au réseau des ambassades et des consulats de France à l'étranger. Au Canada, il y a une ambassade à Ottawa et 5 consulats généraux qui sont répartis sur le territoire et qui couvrent différentes parties du territoire canadien. Il y en a un à Moncton, il y en a un à Toronto, il y en a un à Québec, un à Montréal et donc nous ici à Vancouver. Les consulats généraux de France à l'étranger, ils jouent un rôle essentiel pour les Français qui s'établissent hors de France et pour les Français qui sont de passage aussi dans les circonscriptions consulaires. Et donc pour vous qui venez ou qui allez venir en PVT pour une durée en général de 2 ans, vous allez pouvoir être parmi nos interlocuteurs et nos usagers. À Vancouver, on couvre un territoire qui est vaste, c'est à peu près 40% du territoire canadien, et donc on a une
compétence, entre guillemets, sur plusieurs provinces et territoires, donc la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, et deux territoires qui sont le Yukon, tout à fait au nord-ouest, et les territoires du nord-ouest, qui sont juste voisins du Yukon. On est une équipe de 14 personnes, réparties entre différents services, et puis composée de différents profils. Il y a des fonctionnaires, il y a des spécialistes de l'action culturelle, une volontaire internationale, et des agents, des Français qui vivent au Canada et qui travaillent pour le consulat. Donc voilà, je vous l'ai dit, moi je suis en place depuis le 1er septembre. Deuxième point que je voulais mentionner, qui vous intéressera aussi davantage, c'est qu'est-ce qu'on fait? En gros, on a trois missions. La première, c'est la mission consulaire classique, c'est-à-dire la protection des ressortissants français. On le fait dans le respect de la législation du pays hôte et puis des compétences des autorités locales. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas à la place d'eux, mais on veille à la sécurité des Français situés dans la circonscription. Donc, pour cette raison, c'est important d'être inscrit au registre consulaire. Ça permet, en cas de crise, par exemple, à l'équipe du consulat de vous joindre par texto, par mail, pour vous indiquer les consignes locales de sécurité à suivre, et puis, le cas échéant, de faire le lien avec vos proches. L'inscription, elle est facile à faire, elle se fait en ligne, et elle est gratuite. Sur notre site internet, vancouver.consulfrance.org, dans la rubrique registre consulaire, vous avez toutes les précisions sur la façon de s'inscrire. Vous y trouverez aussi les coordonnées du consulat à Vancouver, nos numéros de téléphone. C'est important de vous inscrire parce que même si la Colombie-Britannique, c'est une province où il n'y a pas de problème de sécurité physique en tant que telle, elle est quand même exposée à des risques naturels. Et vous avez sans doute entendu parler des feux de forêt l'été dernier et encore récemment en novembre. Xavier peut-être pourra nous en dire plus, parce que lui, il était pas très loin de cette zone, des inondations importantes qui se sont produites. Donc, si vous êtes établi, ce qui sera vraisemblablement votre cas, pour plus de 6 mois dans la circonscription, donc dans l'Ouest canadien, c'est important de vous inscrire au registre consulaire. Et puis, si vous êtes de passage ou vous faites un voyage, pour moins de 6 mois, vous pouvez aussi vous inscrire à un système d'alerte géré par le ministère, par messagerie, qui s'appelle Ariane. Et donc ça, vous pouvez trouver l'information sur le site diplomatie.gouv.fr, qui est le site du ministère des Affaires étrangères. La deuxième mission, c'est d'assurer le service public pour les Français de l'étranger. Donc c'est un peu comme une mairie. Le consulat, ça permet d'accomplir de nombreuses démarches, de recevoir des documents officiels, par exemple un passeport, carte d'identité, de déclarer une naissance ou un mariage, de faire une légalisation, c'est-à-dire de faire authentifier un document, et encore, évidemment, de voter à l'étranger. Et ça sera important, ça va nous occuper beaucoup ce semestre, puisque vous savez qu'il y aura des élections présidentielles en avril et législatives en juin. Donc, ces élections, si vous êtes inscrit au registre, vous pourrez voter au Canada. Les différents services rendus et les formalités à remplir, elles sont expliquées dans la rubrique de notre site internet qui s'appelle « Services aux citoyens ». Et ce qu'on fait aussi régulièrement dans ce cadre de services publics aux Français de l'étranger, c'est d'organiser des tournées consulaires, c'est-à-dire qu'une petite équipe du consulat part quelques jours en Alberta, sur l'île de Vancouver, dans le Yukon, pour aller à la rencontre des Français qui sont éloignés de Vancouver et qui leur permet à ce moment-là de faire des démarches directement sur leur lieu de résidence. Alors, pour bénéficier de ces services, il faut être inscrit au registre, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et quand vous êtes inscrit, vous pouvez être notifié à l'avance et pouvoir vous inscrire pour bénéficier de ces tournées consulaires. La troisième mission, c'est de contribuer
avec les partenaires français et canadiens à la promotion de la France dans les domaines économiques, de la culture sous toutes ses formes, de la langue française, de l'enseignement supérieur et de l'innovation. Donc, on a à notre disposition des financements qui nous permettent de monter des projets avec des partenaires locaux, des partenaires francophones, mais pas que. On organise aussi avec eux tout au long de l'année des événements qui sont pour la plupart gratuits. Nous mettons aussi en relation des entrepreneurs, des universités, des chercheurs des deux pays qui veulent travailler ensemble. Donc, je vous donne quelques exemples. Notre service culturel ici a travaillé avec l'Alliance française, qui est une organisation locale d'enseignement du français et de promotion de la culture française, pour développer une plateforme de réalité virtuelle qui s'appelle Espace V, qui a été lancée en octobre et qui permet d'accéder à des contenus culturels en français. On espère aussi, si la pandémie s'apaise, que Yann Tiersen ou Eddie De Pretto viendront à Vancouver en 2022. Le dernier film de Jacques Audiard, Les Olympiades, que vous avez peut-être vu en France, et bien la première projection publique, elle a eu lieu lors du Festival international du film de Vancouver, qu'on sponsorise, et le film a été présenté officiellement ici, à Vancouver. Des experts qu'on fait venir, j'y faisais allusion, dans le cadre d'échanges de chercheurs, viennent aussi partager leurs connaissances sur des sujets d'actualité comme le changement climatique ou la santé lors de cafés scientifiques qu'on organise. Et donc, tous ces événements sont des occasions de se retrouver entre Français et francophones et de se rencontrer. Pour être informé et participer, inscrivez-vous à notre infolettre, dit tous les mois. Et puis, évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux où on vous tient informé des dates de ces événements. On fait aussi régulièrement, grâce à Graciane, des petits concours qui permettent de gagner des places pour certains des événements qu'on organise. Et je signale qu'on aura un prochain événement scientifique le 17 mars, par exemple, sur les aires marines protégées, qui sera organisé ici à Vancouver pour celles et ceux qui sont déjà sur place. Et puis, notre consulat aussi, ça fait partie des priorités d'ensemble, il soutient l'écosystème d'innovation et tech français à l'étranger. Les talents français, ils sont nombreux dans ce domaine. Alors, si vous êtes entrepreneur et que vous vous établissez dans la province, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher du consulat et à vous faire connaître. On peut vous aider, on peut mettre en relation avec l'écosystème local. Je voulais mentionner un point qui concerne un peu les limites de notre action. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire d'avance d'argent en cas de perte de portefeuille, par exemple. On ne peut pas intervenir auprès de la police locale ou de la justice pour vous faire libérer si vous commettez une infraction. Donc, tous les détails de ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, vous pouvez les retrouver dans la rubrique coordonnées et rôle du consulat. Voilà, qu'est-ce qu'un consulat général ? Et vous avez un peu le détail. Donc, pour résumer, le rôle d'un consulat général, c'est un service public de proximité pour les Français de l'étranger qui veille à votre sécurité. C'est une structure qui vous permet d'effectuer des démarches, comme si vous étiez en France un peu. Et puis, c'est aussi une structure qui contribue au rayonnement de la culture et des savoir-faire français à l'étranger. Et puis, j'en ai parlé tout à l'heure, pour les élections, grâce à Julie, on fera un autre live le 31 janvier qui vous donnera tous les détails sur la façon de pouvoir voter aux prochaines élections. Dernier point, où est-ce qu'on peut trouver l'information ? Toutes ces informations, ces actualités, elles sont aussi partagées sur les réseaux sociaux tous les jours. On est sur Facebook, on est sur Twitter, Instagram, sur LinkedIn. Donc vous avez cette liste encore une fois sur le site du consulat. Vous trouverez aussi sur le site une liste des associations françaises en Colombie-Britannique. Et puis quelque chose qui peut être utile,
quand vous aurez le mal du pays, c'est une liste qu'on met à jour régulièrement, grâce à Graciane, des restaurants français et des commerçants qui vendent des produits français en Colombie-Britannique, mais aussi en Alberta. Donc voilà, vous pouvez aussi trouver ça sur notre site. Je signale que pour celles et ceux qui ne sont pas encore partis, Air France va reprendre des vols directs entre Paris et Vancouver à partir du 9 mars. Et ce sera 3 fois par semaine. Donc voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et puis, j'attends les questions et je laisse la parole à Julie. Très bien, merci beaucoup pour ces informations. Et effectivement, on se retrouve lundi, même lieu, même heure, donc YouTube et notre page Facebook, pour parler effectivement pendant un live qui sera plus court que celui de ce soir, des élections 2022. Donc, si vous avez des questions sur cette thématique, profitez, on aura Monsieur le Consul Général qui sera là pour vous répondre. Donc, c'est une opportunité à saisir pour toutes les élections de 2022. Vous l'avez dit, il n'y a pas que les présidentielles, il y a également les législatives. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier, mais je voulais vous préciser que vous allez pouvoir poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à écouter tout ce que va dire Xavier et ensuite ce que va dire également Julien, qui va parler plutôt de l'emploi et de l'économie de la province. Et à la fin, bien sûr, on répondra aux questions qui sont dans la thématique de ce soir, c'est-à-dire la vie en Colombie-Britannique. Xavier, je te laisse parler de la vie quotidienne en Colombie-Britannique et les choses à savoir, même si tu ne pourras certainement pas tout dire. Oui, bonjour. Bonjour, je vais me présenter déjà. Donc, je m'appelle Xavier Fernic, je suis en Colombie-Britannique depuis 4 ans. Je suis arrivé non pas avec un PVT, mais avec un permis de travail ouvert grâce au travail de ma femme qui, elle, avait une mobilité francophone. Voilà. Nous avons 3 enfants, 3 garçons, et nous avons été pendant 3 ans à Port Coquitlam, qui est à peu près à 30 km de Vancouver, et nous sommes maintenant à Kelowna, dans la vallée de l'Okanagan. Il y a un peu plus d'un an, j'ai créé une conférence en ligne, un webinaire qui dure à peu près 2h30-3h pour présenter la Colombie-Britannique, mais aussi conseiller les nouveaux ou futurs arrivants francophones ou ceux qui éventuellement y pensent, y réfléchissent avant de choisir pour un autre pays ou une autre province, afin de les conseiller, de les guider, leur donner le plus d'informations possible sur la vie en Colombie-Britannique, alors que ce soit pour mettre ses enfants à l'école, que ce soit pour trouver un logement, comment fonctionnent les transports en commun, le permis de conduire, etc. etc. Voilà. Donc 2h30, je vais vous faire une petite présentation qui dure à peu près 10 minutes. Hein. J'ai pris quelques notes pour pouvoir condenser un petit peu tout ça, mais vous pouvez retrouver mes coordonnées sur un site web qui s'appelle s'installerencolombiebritannique.com et je fais cette conférence à peu près une ou deux fois par mois. Voilà. Merci Julie pour la petite carte. Alors la Colombie-Britannique est la province la plus à l'ouest du Canada, donc c'est même au sud-ouest on va dire, et puis c'est bordé par l'océan Pacifique, donc à l'ouest. À l'est vous avez les Rocheuses qui dans lesquelles passe la frontière avec l'Alberta. À peu près à une trentaine de kilomètres au sud de Vancouver, on a la frontière avec les États-Unis, et puis à cet endroit-là c'est l'état de Washington. Au nord on a le Yukon. Et puis, on a une autre frontière avec les États-Unis aussi au nord-ouest, qui est l'Alaska, en fait, qui est un état détaché, là, des États-Unis. Et puis, en fait, la frontière de l'Alaska descend le long de la côte et pas si loin que ça de Vancouver. Voilà. Merci pour la carte, Julie. Je voulais aussi parler dans l'introduction de densité de population, parce que c'est quelque chose qui, quand on arrive d'Europe, nous marque ici, mais un peu partout au Canada. Et puis la Colombie-Britannique n'est pas la province avec la plus faible densité. Mais imaginez que la BC, le territoire, fait à peu près une fois et demie le territoire français, pour seulement 5 millions d'habitants, dont la moitié sont dans l'agglomération de Vancouver. Donc pour vous donner une idée, dès que vous quittez l'agglomération de Vancouver et que vous allez sur les routes du nord ou de l'est, là, vous allez rencontrer beaucoup moins de monde, et vous allez principalement rencontrer des forêts, des montagnes, des lacs, etc., avec parfois certaines portions de route où vous ne pourrez pas faire de plein d'essence pendant une centaine de kilomètres. Donc voilà, c'est principalement une province où la nature est ultra, ultra présente. On me questionne aussi très souvent sur le climat en Colombie-Britannique, parce que vous avez certainement, alors soit vous le vivez parce que vous êtes ici, soit vous avez entendu parler parce que vous prévoyez d'arriver en Colombie-Britannique. Vancouver a une réputation d'être une ville très pluvieuse.
Je vais vous le confirmer avec quelques nuances. Alors effectivement, quand on est dans le bassin de Vancouver, c'est-à-dire Vancouver et puis l'agglomération, les villes qu'il y a autour là, c'est-à-dire entre l'océan et puis les premières montagnes, effectivement, c'est un climat assez doux et il pleut énormément. Quand je dis qu'il pleut énormément, c'est-à-dire que d'après les relevés, il pleut 2,50 m par an. C'est-à-dire que c'est à peu près deux fois ce qui pleut en Bretagne. Voilà. Quand je mets des nuances, c'est-à-dire qu'après, quand on passe les premières montagnes, on va avoir un climat beaucoup plus continental, c'est-à-dire qu'il va faire plus chaud et plus sec au printemps et l'été, et il va faire plus froid et ça va être beaucoup plus neigeux l'hiver. Voilà. Alors, monsieur le consul l'a évoqué tout à l'heure, ces conditions un petit peu extrêmes là font que on a quand même régulièrement quelques accidents météorologiques. Nous, quand on est arrivé il y a 4 ans, il y avait, il y a 3 ans et demi, il y avait déjà beaucoup, il y avait eu beaucoup de feux de forêt, entre autres dans la vallée de l'Okanagan et puis au nord de la province. On a à nouveau eu des feux de forêt cet été, puisqu'on a approché presque les 50 degrés là pendant le dôme de chaleur fin juin. On a eu, nous, beaucoup de pluie aussi quand on était à Vancouver. Et puis pendant les vacances de Noël, là, dans l'Okanagan, on a eu presque moins 30 degrés. C'est quand on voit moins 30 plus 50 l'été, il y a quand même un écart de température qui est assez énorme. Voilà. Alors, les villes où il va pleuvoir le plus, c'est vraiment les villes comme Port Coquitlam, North Vancouver, qui sont vraiment au pied des montagnes. Et puis aussi, pour vous donner un autre chiffre, au Mont Revelstoke, là, qui est chez nous à 2h30 de Kelowna, le Mont Revelstoke, il neige 30 mètres par an, en cumulé, hein, bien sûr, pas d'un seul coup, ce qui est assez énorme. Voilà. Un petit mot aussi sur le fait que c'est une province très, très cosmopolite. L'histoire très récente de l'immigration, enfin, l'histoire très récente du Canada, son immigration, font que la communauté asiatique, par exemple, mais aussi iranienne, indienne, sont extrêmement, extrêmement présents. Voilà, avec donc, ça amène une richesse culturelle et une diversité assez incroyable. C'est aussi une province très active dans la réconciliation avec les autochtones, donc les autochtones, hein, les premiers habitants, voilà, qui ont subi des dégâts et des monstruosités pendant la période de la colonisation. Voilà. Sachez que les francophones, alors quand je parle de francophones, je parle pas seulement de français, quand on parle de francophones, parce que moi je parle souvent de francophones, ce sont les gens dont la langue usuelle, hein, la langue de tous les jours, est le français. Donc évidemment, il y a des français, il y a des belges, il peut y avoir des suisses, il y a aussi, nous en BC, on a aussi beaucoup de canadiens, donc des québécois francophones, des ontariens, etc., etc. Donc cette population, cette communauté francophone représente 1,5% de la population en Colombie-Britannique, à peu près 300 000 personnes, ce qui n'est pas énorme. Voilà. Aussi, je voulais faire un petit point sur les langues officielles, parce qu'il y a souvent une confusion sur les langues officielles. On pense que l'anglais et le français sont les langues officielles dans tous les secteurs et partout au Canada. Alors, c'est pareil, je vais refaire une nuance. Le français et l'anglais sont les langues officielles au niveau fédéral, donc les services qui sont gérés par le gouvernement canadien, dont le Premier ministre est Justin Trudeau en ce moment, voilà. Donc, tous les services fédéraux, donc ça peut être tous les services de Service Canada, par exemple, donc les impôts, le chômage, etc., etc., tous ces services sont est une des provinces, puis la plupart des provinces le sont, est une province dont la seule langue officielle est l'anglais. Voilà. Donc tous les services qui vont dépendre de la province, par exemple, je vais prendre l'assurance voiture, voilà, sans rentrer dans les détails, n'ont aucune obligation de servir en français. Voilà. Alors parfois, comme les services de santé, vous pouvez avoir une organisation francophone qui va vous aider, etc. Mais ça n'est pas une obligation pour les services provinciaux. Voilà. Le Québec est la seule province dont la seule langue officielle est le français. Le New Brunswick, les langues officielles sont l'anglais et le français, donc comme le fédéral. Le Nunavut, ça doit être l'anglais, le français et l'inuit. Et toutes les autres provinces sont anglophones. C'est une province très très touristique, voilà. Donc on a beaucoup souffert, en tout cas les secteurs du tourisme a beaucoup souffert du Covid, évidemment. Même si ça a été compensé, alors
à Vancouver, puis l'Okanagan, etc., les Rocheuses, ça a été compensé par du tourisme canadien, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de touristes québécois, etc., d'autres provinces, mais c'était le tourisme est le second secteur économique le plus important en BC. Je sais que parmi les PVTistes, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, par exemple, et c'est un secteur qui continue de recruter et de chercher vraiment beaucoup. Voilà. Les activités principales, alors comme je le dis très très souvent, si on n'aime pas la nature, si on n'aime pas la montagne, si on n'aime pas les forêts, je suis pas sûr que le Canada avec la Colombie-Britannique en particulier soit la destination à choisir, hein. Ici les activités principales vont être les randonnées, le ski, le canoë, on a beaucoup de stations de ski un peu partout en BC, par exemple, et puis beaucoup d'activités sportives, beaucoup de sports en BC pour les adultes, pour les enfants, beaucoup de tennis, beaucoup de soccer, soccer c'est ce qu'on appelle le football en France, hein. Et puis évidemment le sport phare, c'est le hockey, évidemment, avec les Canucks de Vancouver qu'il faut absolument supporter. Un petit mot sur le système scolaire, parce qu'en tant que PVTiste, vous pouvez largement avoir l'âge d'avoir des enfants et donc de venir avec vos enfants. Sachez qu'ici, vous pourrez mettre vos enfants dans plusieurs types d'écoles. Je vais tout d'abord parler de l'école Cousteau, qui est ce qu'on appelle un lycée français, une école française, qui est située à North Vancouver. Voilà, faites une petite recherche, ou peut-être que dans le chat, on peut mettre le site web. Donc c'est une école française qui va de la maternelle, de la petite section en France en fait, donc 3 ans, jusque de mémoire à la 9e année, ce qu'on appelle la 9e année au Canada, ce qui doit être l'équivalent de la 3e en France. Voilà pour l'école Cousteau. Vous avez aussi, comme dans la plupart des provinces, un conseil scolaire francophone. Alors qu'est-ce qu'un conseil scolaire francophone? C'est un réseau d'écoles publiques en français. Voilà, donc les enfants francophones y ont automatiquement accès, c'est gratuit. Pareil, ici on appelle ça le conseil scolaire francophone, petite recherche sur le web et vous pouvez trouver le site internet. Donc toute la scolarité se fait en grande partie en français avec quand même des cours d'anglais à partir de la 4e année, etc., etc. La plupart des enfants ont leur première langue c'est l'anglais, mais ils ont souvent un des deux parents qui est francophone, ce qui leur permet de mettre leurs enfants au CSF. Voilà. Après, il y a aussi les écoles d'immersion. Donc l'école d'immersion, en gros, c'est moitié français, moitié anglais. Alors je dis moitié, c'est pas forcément moitié parce que tout dépend du nombre d'enseignants qu'une école va avoir et qui parle français, etc., etc. Voilà. Et puis vous avez le système des écoles anglophones, hein, qui fonctionne un peu comme la carte scolaire en France. Vous avez l'école du quartier en anglais, donc vos enfants peuvent aller à l'école en anglais à côté de chez vous. Voilà. Et puis j'en profite pour juste réagir à une question que je vois sur le chat, c'est que oui, le CSF en particulier, mais je pense que Cousteau aussi, l'immersion évidemment, est en permanence, pardon, en recherche d'enseignants francophones. Vous pouvez aussi me contacter pour ça parce que c'est un peu ma spécialité. Je travaille pour le CSF et j'ai un webinaire aussi spécial pour ceux qui voudraient devenir enseignants ici parce que oui, il y a beaucoup de besoins, mais il y a quand même certaines choses à savoir, certaines barrières en plus du permis de travail. Donc c'est important, mais oui, il y a vraiment vraiment besoin d'enseignants et d'aide pédagogique ici en français complètement. Voilà, et j'en suis où? Excusez-moi pour mes notes, hein, je me suis un peu mélangé et je crois que j'avais préparé juste maintenant une petite conclusion. Voilà, mais juste pour conclure, je voulais vous conforter dans votre choix de la Colombie-Britannique parce que c'est une province, même au bout de 4 ans, que je trouve extrêmement, extrêmement agréable sur de nombreux points, que ce soit seul ou en famille. Voilà, c'est une province très sécuritaire. Alors, monsieur le consul a parlé des dangers de la nature un petit peu. C'est un peu les seuls dangers qu'on ressent ici. La bienveillance, la gentillesse des Canadiens et des Britanno-Colombiens est assez épatante. Donc voilà, moi, un conseil, venez nous rejoindre en BC si c'est pas déjà le cas. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Xavier, pour toutes ces informations. Alors, c'est vrai que
en étant plusieurs intervenants, on ne peut pas tout vous dire aujourd'hui. Donc, ce que je veux vous mettre en lien de la vidéo, c'est notamment des dossiers qu'on a sur pvtis.net. Alors, ce n'est pas des rencontres en personne comme vous pouvez le faire avec Xavier, comme il vous l'a dit sur son site s'installer en Colombie-Britannique.com, mais ça pourrait être une petite introduction, notamment sur la téléphonie au Canada, le système bancaire au Canada, et également tout ce qui est permis de conduire au Canada, l'échange de permis de conduire. Donc, je vais vous mettre ces trois liens, mais d'abord, je vais laisser la parole à notre troisième intervenant venant du soir, qui est Julien, donc de Canada Talents, qui va nous parler du sujet qui intéresse beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire l'économie de la province et également tout ce qui est emploi. Certainement que tu parleras de nouveau des enseignants, mais aussi Un des peu, ouais. autres domaines qui recrutent. Je Parfait. te laisse te présenter. Merci Julie. Donc je m'appelle Julien, je suis à Vancouver depuis maintenant quasiment 8 ans. Je suis cofondateur de Canada Talents et Canada Talents, en fait, c'est une association qui est là pour accompagner les francophones dans leur intégration professionnelle au Canada. Tu peux me partager mon écran, Julie? Parfait. Donc voilà, l'idée de Canada Talent, c'est vraiment vous aider et vous accompagner dans votre carrière. Moi, ce que je veux voir avec vous, c'est d'abord reparler un peu de l'économie, des emplois et parler des différentes régions, parce qu'on a parlé de Vancouver, mais il y a aussi beaucoup de choses, comme Xavier l'a expliqué, lui, il n'est pas à Vancouver et il s'en porte très bien. Donc voilà, il y a plein de choses à explorer, au Canada. Et ensuite, on va voir sur le marché du travail un peu comment ça fonctionne. Donc, comme j'ai dit, Canada Talents, l'idée, c'est vous aider à vous adapter à la différence culturelle dans le monde professionnel. La diversité est un vrai atout au Canada et on y croit ici à Canada Talents. Et donc, l'idée, c'est vous offrir en fait une approche personnalisée dans votre démarche d'immigration et d'intégration professionnelle. Donc, quand on parle de Colombie-Britannique, on l'a vu, 5 millions d'habitants. Je vous ai mis une carte parce qu'on va parler un peu des régions et j'espère que vous la voyez bien. Mais voilà, Vancouver est en bas en bleu clair. C'est 50% de la population en Colombie-Britannique qui vit dans le Grand Vancouver de manière globale. On est retombé sur un taux de chômage qui est assez faible. Pour historique, on était à 4,1 pré-pandémie il y a 2 ans. Au maximum, pendant la pandémie, on est remonté à 8. Et voilà, c'est une économie basée beaucoup sur la prestation de services, on va dire, commerce, santé, services professionnels, et 20% sur la partie biens, production industrielle et construction. Vous allez, c'est étonnant, mais il y a vraiment beaucoup de construction qui se passe à Vancouver, avec une vraie croissance liée aussi avec toute cette population qui veut s'installer dans le Grand Vancouver. Et sur la partie commerce, on va voir un peu plus en détail. Sur la carte, en fait, ce qui est important de voir, c'est typiquement la partie un peu turquoise qui est Vancouver Island. Donc, Victoria est la capitale politique de la Colombie-Britannique. C'est une économie très basée sur le tourisme, tous les secteurs liés aussi à la mer, un peu d'exploitation forestière, mais typiquement le plus gros de l'exploitation forestière, on va le trouver autour de Prince George, donc c'est la région Caribou qui est un peu en jaune-orange au milieu de la carte. Cette région, en fait, a beaucoup d'exploitations forestières, mais si on monte au nord, dans la région nord-est, en fait, Fort St. John, on va être sur l'exploitation de ressources naturelles qui sont plus sur des ressources minières. Et si on va complètement sur la zone bleu foncé qui est sur votre gauche, on retrouve en fait Prince Rupert qui est plutôt sur une exploitation de tout ce qui est exploitation de la mer, donc fishery, et un peu d'exploitation forestière. Et enfin dans la région un peu de Xavier, tout ce qui est Okanagan, on va retrouver une exploitation liée à tout ce qui est vin et aussi vu qu'il y a un microclimat et qu'il fait souvent très chaud, il y a aussi beaucoup de vergers et beaucoup de fruits qui proviennent de l'Okanagan pour tout Vancouver. Donc, si on essaie de comparer les deux plus grosses villes, Vancouver et Victoria. Donc, Vancouver, comme je l'ai dit, une population intramuros qui est assez faible en fait, qui est à 680 000 habitants, mais globalement une densité importante, comme l'a évoqué Xavier, et un salaire médian qui est autour de 72 000 dollars. Tous ces slides et d'autres qui peuvent vous intéresser sont disponibles sur notre Instagram, sont diffusés tout au long de l'année sur toutes les villes en fait du Canada, petites et grandes. On a fait un travail de rassembler les informations sur l'économie, sur les températures, sur l'accès au transport en commun,
sur les salaires médians et sur les densités. Sur Victoria, en revanche, on est sur une densité qui est 10 fois moins que celle de Vancouver. Les salaires médians se ressemblent à peu près. La partie économique et le niveau de chômage est à peu près le même. Mais comme j'ai dit, on a évoqué, c'est beaucoup plus du tourisme et des métiers liés à l'exploitation naturelle de la mer. Si on prend la communauté tranique de manière générale, il y a énormément d'entreprises en fait qui ont basé leur siège dans le Grand Vancouver, qui sont sur la production de films, sur tout ce qui est lié aussi à ça en termes de FX, mais tout aussi un gros écosystème de start-up qui donne un peu cette vibe en fait à Vancouver. Donc on va retrouver Lululemon, je pense que vous connaissez, qui fabrique des vêtements de sport, HSBC qui est la seule banque à avoir son siège à Vancouver, alors que toutes les autres l'ont à Toronto sauf Desjardins qui est là à Montréal. On a Hootsuite qui permet de planifier les réseaux sociaux, Slack que vous connaissez sûrement qui est une messagerie professionnelle, Abcelera qui a son siège à Vancouver et qui a travaillé sur la découverte de protéines pour combattre et pour développer les vaccins pour le Covid. Et on a aussi A&W qui est une chaîne de restauration qui a basé son siège à Vancouver. L'autre chose dont je voulais parler, on va rentrer un peu dans ce qui est emploi, la Colombie-Britannique a planifié le nombre d'emplois qu'ils auraient besoin pour 2029. Voici le début de la liste. La liste est longue. Au bout de chaque ligne, vous allez pouvoir voir le nombre de postes qu'ils estiment qu'il faudra de nouveau pour recruter pour 2029. Donc, il y a un vrai besoin en santé, et ça, c'est globalement dans tout le Canada que ce besoin se voit. Comme l'a évoqué Xavier, ou comme on a vu la question aussi dans le chat, il y a aussi un besoin d'enseignants, que ça soit en petite enfance ou plus tard dans le reste de l'éducation. Voilà, il y a un certain nombre de métiers qui sont là. L'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Colombie-Britannique est une province qui attire, c'est une province qui est en croissance. Et aujourd'hui, il y a énormément d'emplois qui sont non pourvus parce qu'on n'arrive pas à trouver assez de monde. Le système d'immigration a beaucoup évolué ces derniers temps suite au Covid, ce qui a fait un petit ralentissement sur l'arrivée d'immigrants. Mais voilà, c'est une province où vous pouvez vous dire qu'en venant, vous allez pouvoir trouver un emploi. Donc maintenant, je vais vous parler un peu sur la recherche d'emploi. On va parler CV, elevator pitch, réseautage, voilà, tout ça. Julie, si tu veux relever l'écran, je vais juste parler sans forcément avoir le slide. Donc voilà, la première chose sur le CV, ce qu'il faut savoir, c'est que le CV que vous connaissez dans votre pays, c'est pas nécessairement le même. Par rapport aux lois en fait de protection et d'équité, on n'a pas le droit de mettre de photos sur les CV canadiens. Si un employeur reçoit un CV avec une photo, il sera mis à la poubelle pour éviter d'être déclaré comme discriminant en fait. Donc c'est un premier élément, mais c'est un élément important. Ça revient un peu sur les valeurs canadiennes que je vais évoquer par la suite. Le fait de protéger et de non discriminer, c'est un élément important, l'harmonie pour les Canadiens. Les Canadiens vont aussi beaucoup rechercher vos expériences professionnelles plutôt que vos diplômes. Les diplômes que vous avez eus à l'étranger par rapport au Canada, c'est pas nécessairement des choses qu'ils connaissent. Même si vous marquez les équivalences, ils connaissent pas la réputation de l'école, ils connaissent pas la réputation du diplôme. Donc, ce que eux vont chercher, c'est vraiment savoir qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, comment vous pouvez les accompagner et aider la croissance de l'entreprise pour laquelle vous appliquez. Donc, ça, c'est un élément important. On a un Colombie-Britannique, vous allez sûrement aussi devoir appliquer en anglais. Si vous appliquez en anglais, pensez bien à vous dire que c'est pas parce que vous prenez le titre de votre emploi et que vous le traduisez avec Google que nécessairement ça va être la même chose. On est dans un pays où la définition des emplois n'est pas nécessairement la même que la définition que vous pouvez avoir dans votre pays d'origine. Un élément important, c'est typiquement le système d'ingénierie et d'ingénieur. Un ingénieur ici au Canada, c'est quelqu'un qui met potentiellement en danger la vie du public lorsqu'il fait quelque chose. Donc les ingénieurs ont un ordre d'ingénieur par province, ils doivent signer les plans qu'ils font, ils ont une assurance spécialisée et ils ont aussi une obligation en fait de justifier de mise à jour en fait de leurs connaissances tout au long de leur carrière. Et alors qu'un ingénieur en France peut être un ingénieur en biomédical, peut être un ingénieur
en informatique, et c'est pas nécessairement ce qui est utilisé aujourd'hui en termes de mots et de wording ici au Canada. L'autre élément qu'on peut évoquer en termes de différence, c'est l'elevator pitch. L'elevator pitch, c'est une méthodologie qui existe au Canada et aussi aux États-Unis, qui est de dire la capacité de se présenter en 45 secondes. Donc, elevator, c'est ascenseur en anglais. C'est l'idée de se présenter sur 45 secondes, comme si on était dans un ascenseur, à un inconnu qui serait dans le building où on serait. C'est à la fois être capable d'être succinct, de pas parler de tout ce qu'on a fait depuis après le bac, mais plutôt ce qui s'est passé depuis les derniers 18 mois, et dire un peu qui on est professionnellement, mais aussi personnellement, faire une ouverture et être capable de connecter avec la personne qui est en face de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile, qui vous sera aussi très utile dans la partie de réseautage. Le réseautage, c'est un élément aussi très important ici. 80% des offres d'emploi ne sont pas postées directement sur les sites de recrutement. Beaucoup d'employeurs préfèrent utiliser les connexions de leurs employés ou les connexions d'autres chefs d'entreprise qu'ils connaissent pour leur demander « Est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait faire ça ?» Pourquoi ? Parce que avoir quelqu'un qui vous référence quelqu'un d'autre, ça vous permet en fait de vous dire « A priori, cette personne est plus alignée avec moi parce que j'ai demandé à quelqu'un qui me connaît. » Et donc, ça veut dire que réseauter et connecter avec d'autres gens au Canada, c'est un élément important qui va vous permettre en fait de remonter dans la pile de CV, si vous appliquez, ou de connecter directement avec un emploi qui n'a pas été posté sur les grandes plateformes qu'on peut connaître, qui sont Glassdoor, Indeed ou LinkedIn. Et donc, ça me permet de faire la transition sur LinkedIn. LinkedIn qui est un réseau professionnel très important. On est plus de 18 millions au Canada à utiliser LinkedIn et 50% d'entre nous l'utilisent quotidiennement. Et LinkedIn, en fait, c'est souvent la première chose que vont regarder les recruteurs. Ils reçoivent un CV, ils sont intéressés, ils vont cliquer sur le lien LinkedIn, ils vont regarder. Parce que LinkedIn vous permet à la fois de dire à l'employeur ou au recruteur avec qui vous connaissez en commun. Quelles sont les recommandations dans votre réseau? Quelle est votre activité? Quels sont vos différents skills que vous avez ou certificats que vous avez pu passer précédemment? Donc LinkedIn est vraiment un élément important, et LinkedIn aussi est utilisé beaucoup pour connecter avec des personnes qu'on connaît pas encore. On a vu l'elevator pitch, ça marche très bien lorsqu'on rencontre des personnes physiquement. Avec Covid, on en rencontre beaucoup moins. Donc LinkedIn aussi est un moyen de connecter avec quelqu'un, de lui demander je suis intéressé pour continuer dans cette voie, pour ce métier là, pour travailler dans cette industrie, est-ce que vous auriez des conseils, est-ce qu'on pourrait en discuter? Comme l'a évoqué Xavier, les Canadiens sont bienveillants. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de présenter exactement ce que vous voulez et pourquoi vous demandez une connexion, la plupart des Canadiens seront à même de vous laisser 20 minutes de leur temps pour pouvoir discuter et continuer ensemble et voir potentiellement comment ils peuvent vous aider. À partir du moment où vous êtes précis, les Canadiens sont vraiment prêts à vous aider. J'ai invoqué rapidement les valeurs canadiennes. Un élément qui est important, et c'est souvent une blague en fait qu'on fait aux Canadiens en disant qu'ils sont très polis, mais en fait ça vient profondément en fait du besoin d'harmonie pour les Canadiens. Donc ils vont toujours dire merci, ils vont toujours s'excuser, mais ça veut dire qu'aussi au travail, ils vont avoir une manière très douce de faire un retour. Et au lieu de faire un reproche, c'est plutôt des points d'amélioration à faire. Et c'est toujours entouré de compliments sur le travail qui a été fait. Donc l'approche, en fait, est une approche de non-conflit au travail. Et pour eux, c'est beaucoup plus important que tout le monde soit d'accord dans l'équipe plutôt que d'avoir raison. Donc c'est plein d'éléments culturels, l'harmonie, mais aussi les valeurs en fait environnementales, les valeurs de non-conflit qu'on va retrouver, qui vont avoir une influence en fait sur vos quotidiens. Et c'est vraiment, je vous invite vraiment à lire sur notre blog ou à faire vos propres recherches. C'est vraiment important si vous souhaitez vraiment vous intégrer au Canada. Et ensuite, le dernier élément qu'on peut évoquer pour essayer de rester dans le temps, c'est l'anglais. Souvent, on me demande, mon anglais n'est pas très bon, qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce qui va se passer pour moi en Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique, grosso modo, c'est un peu plus de 6% de francophones. Travailler qu'en français, c'est possible.
Vive qu'en français, c'est pas possible. Vous serez obligé d'interagir en anglais au quotidien. Donc, souvent, ce que je dis, c'est pour les personnes qui ont un niveau assez faible ou qui ne se sentent pas encore à l'aise avec leur anglais, c'est être capable de démarrer un peu plus bas dans l'échelle. Si jamais ils veulent travailler, on va prendre une grosse industrie, ils veulent travailler dans la partie aéro... mon Dieu, l'aviation. On a un certain nombre d'entreprises qui travaillent dans des moteurs d'aviation, dans l'entretien d'aviation, dans la production de produits en aviation. Travailler plutôt sur un métier de technicien pour ensuite repasser sur un métier de manager quelques années après. L'avantage du Canada, c'est à partir du moment où vous démontrez à votre employeur que vous avez la capacité, il va vous faire confiance et va vous donner l'opportunité d'évoluer. On est sur un système de loi du travail beaucoup plus flexible et beaucoup plus dynamique. Donc, il ne faut pas avoir peur de descendre d'un cran pendant quelques mois et ensuite remonter là-dessus. Voilà ce que j'avais à vous dire rapidement sur l'emploi en Colombie-Britannique. Canada Talents vous propose un certain nombre d'outils qui peuvent aussi vous utiliser et d'ateliers. On a un guide Objectif Vancouver, notre troisième édition 2022, qui est disponible, qui vous donne un peu toutes les étapes et tout ce que vous devez penser avant d'arriver, avec tout un aspect aussi différence culturelle. C'est 44 pages de PDF gratuits qui sont disponibles sur notre site. Je pense que l'équipe va vous mettre le lien, ou moi je vous le mettrai ensuite. Et aussi, on a deux autres éléments qui vont vous intéresser. On a des ateliers qui vont réapparaître à partir de dans quelques jours, là, en février, qui vont travailler sur le réseautage et sur LinkedIn, et aussi sur le CV. C'est des ateliers en petits groupes, 12 personnes, qui permettent en fait de travailler sur ces points-là tous ensemble. Et ensuite, chaque participant a un call individuel pour justement revoir et améliorer ce qui reste à améliorer suite à l'atelier. Et comme le fait aussi un peu PVTiste, on réintroduit nos lives qui s'appellent Objectif Canada. On en avait fait un spécialement sur l'immigration hors Québec en novembre, et on va en refaire sur le réseautage, les entretiens, mais aussi plus de détails sur d'autres provinces comme l'Ontario, vu qu'on est disponible sur toutes les provinces hors Québec. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Julie, je te relaisse la parole. Super, merci beaucoup. Alors du coup, je vous ai mis en commentaire le lien du guide gratuit de Julien pour que vous puissiez le télécharger. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette présentation. Merci beaucoup à tous les trois pour tout ce que vous avez donné. Il y a eu plusieurs commentaires qui vous disaient merci beaucoup. Bon, vous avez même eu un waouh parce que vous avez partagé pas mal d'informations très pertinentes pour ceux qui sont intéressés par la Colombie-Britannique. Et maintenant, j'ai quelques questions pour vous. Donc, on a parlé tout à l'heure des enseignants. Je voudrais juste faire une petite précision. Pour ceux qui veulent travailler comme enseignants au Canada, il y a le gouvernement du Canada qui lance un événement qui s'appelle Destination Canada, spécialement dédié à la petite enfance et au métier de l'enseignement en dehors du Québec. Il faut s'inscrire avant le 31 janvier, au plus tard le 31 janvier. Je vais vous mettre le commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous y inscrire. Ce sera l'occasion de passer des entretiens avec des employeurs. Alors, vaste sujet, je ne sais pas si on voudra vraiment rentrer là-dedans, mais est-ce que vous considéreriez que c'est facile d'obtenir la résidence permanente, par exemple, après un PVT en Colombie-Britannique? Je ne sais pas qui veut répondre. moi, je veux bien me lancer. Moi, je pense que c'est facile. Après, ça prend du temps. C'est comme toute démarche, il faut se poser, il faut remplir tous les critères. Mais à partir du moment où vous avez les 1 an en fait, d'expérience canadienne, c'est le moment en fait de démarrer vos démarches, de faire reconnaître vos diplômes, de faire vos tests de langue et de poser les choses en fait. Globalement, ça prend un peu plus de 6 mois en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup d'appels et beaucoup de résidences permanentes qui ont été demandées, 24 000 en novembre qui ont été acceptées par le Canada. Mais c'est une démarche quand même qui est plutôt simple. Je peux nuancer un tout petit peu. C'est que, en fait, il y a beaucoup de monde dans le bassin, là, en ce moment, pour la résidence permanente. Donc, il risque de pas y avoir de tirage CEC, entre autres, parce que Julien en parle, pendant toute l'année 2022. Donc, en tout cas, l'année 2022 risque de pas être la bonne période pour demander sa résidence permanente. Après, dans le principe, oui, je suis d'accord avec Julien, mais c'est quand même un dossier. Alors, je suis passé par là il y a pas très longtemps aussi, hein, donc, c'est quand même des formulaires, c'est quand même des
certaines choses assez complexes. Moi, je conseille de se faire accompagner par un conseiller en immigration quand même. Voilà. Et puis, le fonctionnement d'IRCC, qui est le ministère de l'immigration canadienne, il y a quand même quelques problèmes administratifs, on va dire. Voilà. Donc, ce qui fait que ça peut prendre 6 mois pour certaines personnes, puis il y en a qui attendent depuis 2 ans, et on n'a pas forcément les éléments de savoir pourquoi il y a un tel écart. J'imagine certainement pas mal des PVTIS français. On pense aussi aux PVTIS belges qui n'ont qu'un an de PVT et donc pour lesquels peut-être ça peut être un peu plus compliqué. Il faut savoir qu'au Canada, quand même, la résidence permanente, ça dépend de tellement de facteurs. Votre statut, votre nationalité, votre province, tout plein d'autres choses. Donc, je vous conseille de partir comme ça déjà pour votre PVT ou votre jeune pro ou votre stage. Et une fois sur place, si la province vous plaît, commencez à vous renseigner. Souvent sur place, tout le monde est hyper au fait de ce qui se passe, même si effectivement, c'est toujours bien de se tourner vers quelqu'un qui connaît bien le sujet, parce qu'il peut y avoir des légendes urbaines peut-être un petit peu erronées. Ensuite, une question qui revient, parce que je pense que beaucoup de gens entendent parler de Vancouver, si on doit parler du coût de la vie en BC, en Colombie-Britannique, est-ce que c'est si horrible que ça, ou est-ce que là aussi vous voulez apporter des nuances en donnant des petites précisions? Xavier, tu veux démarrer? Horrible que ça, non, parce que alors tout dépend de ce que vous faites, tout dépend du travail que vous faites, hein, évidemment, parce que je pense que le SMIC est à peu près l'équivalent en BC qu'en France, mais évidemment le coût de la vie est important, mais tout dépend si vous arrivez de Paris, si vous avez du centre de Lyon ou de Bordeaux, ou si vous arrivez de la Creuse, évidemment, si vous arrivez de la, je prends un exemple de département que je connais, mais si vous arrivez du fin fond de la Creuse, oui, le coût de la vie ici va vous paraître très cher, mais en tout cas, moi, de mon expérience, c'est quand même, d'une manière générale, les salaires sont quand même plus élevés et sont cohérents, on va dire, avec le coût de la vie, mais quand on parle du coût de la vie, c'est beaucoup les logements, hein, c'est l'hébergement qui coûte cher aussi, c'est vraiment le gros budget. Après, sur tout ce qui est en dehors de l'hébergement, enfin du logement, moi je trouve qu'on a un coût de la vie qui est très correct. Il y a aussi beaucoup d'activités dans la nature qui sont gratuites. Et on peut faire beaucoup de choses, même en famille, on peut faire beaucoup de choses gratuitement, on va dire, beaucoup de loisirs. Après, évidemment, le logement, c'est le gros point noir sur le coût de la vie. Ouais. Oui, non, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que le logement, les salaires sont élevés. Néanmoins, c'est en train de se rapprocher, mais typiquement en Ontario, le rapport entre le coût du logement et le salaire était un peu meilleur. Donc souvent, les gens qui venaient entre l'Ontario et la Colombie-Britannique trouvaient quand même la Colombie-Britannique très chère. Le rapport est en train de changer là-dessus. Après, on a aussi un coût de nourriture qui est légèrement plus cher, vu que tout doit passer la montagne ou tout doit venir de Californie. On a tendance à voilà, on appelle ça la taxe soleil. Donc il fait pas froid, il fait beau, il pleut un peu, mais donc c'est souvent ce qu'on dit. Et je vais juste préciser que c'est pas parce qu'on s'éloigne de Vancouver ou de l'agglomération de Vancouver que les loyers chutent. Hein. Il y a vraiment des régions plus perdues entre guillemets où malgré tout les loyers sont où l'achat de maison ça devient vraiment compliqué. Nous à Kelowna là c'est on a appris la semaine dernière que les logements étaient arrivés au prix de Londres, voilà. Ce qui est évidemment, nous on le vit au quotidien là, et c'est l'offre et la demande. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, qui sont en train d'arriver, puis il n'y a pas encore assez de logements. Donc l'offre et la demande et la qualité de vie, en tout cas, font que les loyers, entre guillemets, ça devient un petit peu n'importe quoi, voilà. C'est pour ça aussi que beaucoup, en tout cas ceux qui arrivent peut-être en solo ou peut-être avec un ami, essayent de se mettre en colocation pour limiter un maximum. C'est très fréquent. Voilà, tout à fait. Pour l'emploi, quelqu'un nous demande si on ne pourra pas traiter toutes les questions sur des domaines bien précis. Je vous laisserai contacter Xavier et ou Julien par la suite. Mais quelqu'un nous demande si vous pensez que dans la province, il y a des opportunités pour les technico-commerciaux et ou dans le secteur forestier, dans la conduite d'engins. Très précis. C'est très très précis. Sur le secteur forestier, oui, il y a beaucoup de besoins, définitivement. C'est un secteur qui est soutenu par le gouvernement et qui fournit aussi beaucoup à l'économie, au PIB global de la province et du Canada. Donc il n'y aura pas de problème. Je reviens à ce que je l'ai dit, ça dépend des connexions et de votre capacité à connecter dans l'industrie et à poser les bonnes questions, à rencontrer les bonnes personnes. Vous pouvez me contacter, je crois que je l'ai mis dans le chat, on fait des consultations gratuites de carrière pendant 10 minutes, donc vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi directement.
Super. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que le lien vers le guide de Julien n'était pas disponible. Pourtant, j'ai fait attention à l'URL. On va regarder ça et à la fin, je vous remettrai le commentaire pour que vous puissiez le télécharger, voir si ce n'est pas une fausse manip de ma part. Quelqu'un nous demande, peut-être savez-vous, peut-être plutôt toi Xavier, je ne sais pas trop vos situations personnelles, messieurs, comment se passe la prise en charge d'une grossesse à Vancouver ? Ben, tout dépend si on a ce qu'on appelle la MSP. Donc la MSP, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Voilà. Si on a la MSP, c'est un système qui, je mets des parenthèses, mais qui est assez équivalent au système de sécurité sociale qu'on connaît en France. Voilà. Donc ça, c'est pris en charge par la MSP, les hospitalisations sont prises en charge, consulter un médecin généraliste est pris en charge par la MSP. Voilà. Et sachant que juste pour la grossesse, j'ai pas exactement les durées, mais le congé parental est assez important. Je crois que ça doit être au moins, ça doit être un an, je crois, à partager entre le papa et la maman, mais c'est vraiment très long. Ouais, ça c'est vraiment chouette. Ça laisse du temps. Il faut peut-être expliquer comment on obtient le MSP, parce qu'il faut avoir un numéro d'identification, un numéro de sécurité sociale et tout ça. Donc je sais pas si c'est automatique. Non, pour les PVTistes, c'est pas automatique. Voilà. Vas-y Julie, si tu c'est veux. Ça. Bon, c'est vrai que je suis pas. Je sais que ça dépend d'une province. Je sais qu'au Yukon, on peut bénéficier de la province locale, au Yukon, pardon. Et je sais qu'au Québec, on n'en bénéficie pas. Il me semble qu'en Colombie-Britannique, quand on est PVTiste, non plus. Mais que quand on passe à un autre statut, soit sur un permis de travail fermé, soit en tant que résident permanent, là, on peut en avoir besoin. On peut y avoir accès, pardon. Et puis, ceci dit, pour une grossesse, de façon générale, c'est important d'avoir. Je pense, hein, parce qu'on nous pose souvent la question, est-ce qu'une grossesse en PVT, ça peut être pertinent ? Attention, parce que sans l'assurance locale, ça coûte tellement cher la santé que ça vaut le coup non seulement d'attendre d'avoir la sécurité sociale locale et puis peut-être une mutuelle d'employeur, on ne dit peut-être pas mutuelle, mais pour compléter, parce que ce n'est pas donné. Et juste, je pense que les PVTistes ont accès à la MSP à partir du moment où ils ont un contrat d'au moins 18 heures par semaine. Voilà. Après, la demande est faite par l'employeur. Juste il y a une question là sur quelqu'un qui a eu un problème de dentiste et avant sa MSP ça lui a coûté 4 500 $. La MSP ne prend pas en charge le problème dentaire, hein, c'est sauf urgence, oui, mais sinon il faut une complémentaire santé absolument. Ouais, c'est ça exactement, parce que ça monte assez vite. Et puis, bon, alors quand vous avez une assurance PVT ou pour le stage ou le jeune pro, généralement, vous avancez les frais, vous êtes remboursé après. Mais c'est pareil, les dents, c'est souvent quelque chose où il y a des plafonds. Alors, soit c'est pas couvert, soit par les assurances PVT, c'est couvert, mais il y a une limite. Donc, faites bien un petit tour des médecins avant d'arriver au Canada, notamment les dents, les yeux, etc. Je pense que c'est pas du luxe. Vous arrivez en Amérique du Nord, donc la santé, c'est cher. Voilà. Ensuite, on nous demande s'il y a globalement des métiers liés à la vente dans la concession automobile, concession de location, etc., de façon générale. Oui, de manière générale, dans la vente, il y a toujours des besoins. Comme je l'ai dit, il y a énormément de postes non pourvus. Donc, comme pareil, si vous êtes un bon vendeur, il ne devrait pas avoir de problème là-dessus. Ce qui va peut-être poser problème, c'est votre niveau d'anglais. Donc, c'est très clairement, parce que c'est une grosse population qui va globalement parler anglais. On a aussi une population asiatique, donc si vous parlez mandarin ou cantonais, ça peut être aussi un atout dans la partie automobile. Très bien. Et puis pareil, le BTP, on nous demande quelqu'un qui est grutier. Généralement, ça recrute un peu partout dans le monde, ça j'ai la sensation. Oui, c'est ça, et j'ai vu qu'il demandait plus de détails. Donc Léon, pareil, demande-moi une requête de consultation et je te donnerai les liens vers les différentes associations de BTP. Super, impeccable. Il y a quelqu'un qui nous dit louer une chambre à Vancouver, c'est plus de 1 000 $ et un croissant, c'est 5 $ à Victoria. Ça donne un petit peu de... Oui, mais louer une chambre, c'est plutôt 1 700 $ globalement. Mais ça dépend en fait si c'est un studio ou si c'est juste une chambre dans une coloc. Mais après, voilà, comme on l'a évoqué aussi, les salaires sont beaucoup plus élevés. Donc, il faut se rappeler qu'il ne faut pas prendre 1 euro pour 1 dollar canadien. Mais voilà. Et on arrive en colocation. J'ai pas mal d'amis ou de collègues qui... en colocation, ont des logements à 800 $, hein. Voilà. Mais c'est difficile de trouver moins, quoi. Oui. C'est ça.
Quelqu'un nous demande si on se recrute en Colombie-Britannique dans tout ce qui est conseil à la clientèle. Je dirais que de façon générale, le conseil à la clientèle, c'est un concept qui existe vraiment sur le territoire canadien, ce qui nous surprend souvent quand on vient de France. Hein. Je ne suis pas du genre à faire du friends bashing, mais c'est vrai que quand on arrive au Canada, on se rend compte qu'on peut appeler n'importe lequel de nos opérateurs, notre banque, etc., et qu'il y a un vrai service à la clientèle. Donc justement, ça recrute beaucoup là-dedans. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à ma réponse. Moi, je veux ajouter quelque chose. On travaille avec beaucoup d'employeurs qui ont des call centers justement et qui gèrent beaucoup d'appels. Et ils sont vraiment à la recherche de profils bilingues. Donc, si vous êtes capable de parler dans les deux langues et que vous voulez démarrer par du conseil à la clientèle, c'est un vrai atout, sachant aussi qu'ils ont, avec le Covid, évolué. Et donc, maintenant, ils proposent aussi que vous soyez positionné n'importe où dans la province. À partir du moment où vous avez une bonne connexion Internet, ils vous envoient l'ordinateur, ils vous forment à distance. Et ensuite, vous êtes capable de travailler depuis Prince George ou Prince Rupert pour une compagnie dont le siège est à Vancouver. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un nous demande si le permis de conduire français est valable. Alors, au Canada, la règle, c'est que selon les provinces, après un certain temps passé dans la province, il faut échanger son permis français pour un permis de la province en question. En Colombie-Britannique, si je ne dis pas de bêtises, on donne son permis français et on ne le récupérera pas. C'est uniquement quand on rentrera en France qu'on pourra redemander un permis français. Donc, si comme moi, vous avez encore les vieux bidules roses et que vous y tenez, si vous le donnez à la Colombie-Britannique, je pense qu'en rentrant en France, vous aurez les nouveaux permis de conduire format carte bleue. C'est pas quelque chose de compliqué, surtout dans le sens permis français vers permis canadien. Dans l'autre sens, on m'a dit que c'était un peu plus long de retour en France, mais en tout cas, c'est pas insurmontable. Et je vous ai mis tout à l'heure le lien vers notre dossier thématique qui parle de ça. Justement. Et j'ai vu quelqu'un poser la question pour faire traduire son permis de conduire en anglais, là, ou son attestation d'assurance, je trouve ça. C'est quelque chose dont il fallait faire il y a 2-3 ans encore, mais il n'y a plus besoin. Hein. Il suffit vraiment juste d'aller chez ICBC là, pour échanger son permis. Et juste une petite précision, à partir du moment où vous devenez résident de BC, c'est-à-dire vous arrivez, vous mettez les pieds sur le sol et puis vous avez payé un loyer, vous avez un permis de travail, etc. Donc ça n'a rien à voir avec la résidence permanente. Hein. Vous devenez résident, vous avez 90 jours pour changer votre permis. Voilà, il faut absolument le faire dans ces 90 jours. Et moi, je le conseille de le faire tout de suite parce que c'est en plus une pièce d'identité, une BC ID là, de la province qu'on nous demande assez régulièrement quand même et je le conseille de le faire tout de suite. Très bien, merci pour ces conseils. Quelqu'un nous demandait le prix d'une grossesse sans l'assurance locale. C'est des prix à la louche, mais j'avais une amie qui me disait qu'elle a accouché, elle, c'était au Québec, mais que quand ça se passait avec un peu des complications, ça pouvait monter. Contredisez-moi si vous n'êtes pas d'accord, mais elle m'a dit que ça pouvait monter à 100 000 $, une grossesse compliquée. Donc ça, c'est une grossesse compliquée, sans doute qu'une autre, ce sera quelques dizaines de milliers de dollars. Mais c'est quand même des montants... Mais de toute façon, n'importe quel problème de santé ou si on est mal assuré, mal couvert... Ici, ça monte très vite en plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars. C'est ça, exactement. Est-ce que vous diriez que quelqu'un qui travaille dans le milieu de la culture et qui parle, qui est bilingue, est-ce que cette personne peut avoir ses chances de travailler en Colombie-Britannique ? Oui, c'est possible. Le milieu de la culture est un peu plus compliqué de manière générale dans le monde entier. En fait, c'est beaucoup par réseau et par connexion. Et souvent, il y a un peu plus de demandes que d'offres. Donc c'est possible, mais il y a un vrai travail en fait de network à faire avant ou sur place pour trouver l'emploi. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce que dans ça, ça recrute vraiment. Vous avez noté les deux sites, donc Canada Talent, on va le dire à la française avec un S, canadatalents.com. .ca, excuse-moi. Et du côté de Xavier, donc c'est s'installer en Colombie-Britannique.com. Je vous laisse regarder leur site internet, fouiller un petit peu tout ça, et puis bénéficier de l'opportunité de parler pendant 10 minutes avec Julien. Voilà, il y aura sans doute des choses à dire qui seront très précises pour vous, puisque là, avec les questions qui arrivent en grand nombre, ce sera difficile de rentrer dans le détail de tout. Quelqu'un nous demande comment ça se passe la vie pour les non-vaccinés, mais avant de répondre, je voulais indiquer que depuis le 15 janvier, on ne peut plus se rendre en permis d'études ou en permis de travail temporaire comme le PVT au Canada si on n'est pas entièrement vacciné depuis au moins 2 semaines. Donc, je ne sais pas du coup si cette question vaut le coup d'être abordée puisque vous ne pouvez plus partir. Je ne sais pas. Est-ce que vous voulez... Ça se passe un petit peu comme dans beaucoup de pays ou beaucoup de provinces, c'est-à-dire que à partir du moment où on n'a pas la double vaccination, donc le pass sanitaire, là, eh bien, il y a beaucoup d'endroits qui nous seront refusés, les restaurants, les salles de sport, les piscines, etc. etc.
Et on ne peut même pas voler aussi. Hein. Intra-Canada, on est obligé d'être vacciné pour pouvoir prendre un avion. Donc, un non-vacciné pour rentrer au Canada, en bateau ou par terre. Donc, c'est pas facile. Voilà. Oui. Effectivement. Julien, notamment, est-ce que si tu devais citer quelques emplois qu'on peut espérer faire en Colombie-Britannique si on ne parle pas anglais, ce serait quoi ? Si on ne parle pas anglais, ça peut être potentiellement de travailler dans toutes les associations francophones qui existent en Colombie-Britannique et donc d'aider d'autres francophones. Après, sur le long terme, en termes de carrière, qu'être en français, c'est un peu compliqué. Mais oui, la première étape, ça serait connecter avec... Il y a le site de la FFCB, la Fédération des francophones de Colombie-Britannique.ca, qui va avoir le lien vers toutes les autres associations et potentiellement regarder s'ils recrutent et s'ils sont intéressés. Je rajouterais le métier d'enseignant au sein d'écoles francophones ou françaises, là. J'ai des amis au CSF qui ne parlent pas anglais ou qui, au bout de 4 ans, là, se sont mis quand même un petit peu, mais qui sont arrivés sans parler anglais et il y a quelques petites barrières de temps en temps, mais c'est complètement possible. Et puis, comme il y a besoin vraiment d'enseignants dans le système francophone, donc enseignants ou aide pédagogique, là, donc on accompagne les enseignants dans les classes, là, avec les enfants qui ont des difficultés, c'est un domaine où c'est possible. Mais j'en vois pas beaucoup d'autres non plus comme Julien. Très bien, merci pour ces précisions. Je suis en train de penser à quelque chose qu'on a abordé hier et j'ai vu que ça tracassait pas mal de monde pendant un live qu'on a fait sur les différences culturelles au Québec. C'était le rapport avec les Québécois. Donc là, si on va du côté des gens de Colombie-Britannique, est-ce que vous trouvez que vous vous êtes fait rapidement des amis ou est-ce que au début, tout le monde est très avenant, mais que ça prend du temps, les relations à se construire côté ouest canadien, est-ce qu'il y a des différences ? Il y en a souvent, ce qu'on reproche aux Canadiens, c'est d'être très aimable, mais de pas nécessairement connecter avec eux, en fait. Et je fais souvent la comparaison avec une noix de coco, plutôt un avocat, pardon, où c'est en surface, c'est très simple, on connecte, on peut, mais c'est très compliqué d'aller en profondeur. Et typiquement, le cycle de création d'une amitié avec des Canadiens, c'est plutôt se voir une fois par mois pendant plusieurs mois pour arriver à connecter, pour arriver à être plus proche, alors que les Latins et donc les Français ont tendance à se voir une fois, à refaire le monde 3 fois pendant la semaine, à plus se voir et après à se revoir. Donc, c'est un cycle beaucoup plus long. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont méchants ou que ce n'est pas gentil, c'est juste que culturellement, c'est une habitude pour eux. Je parlais d'harmonie en fait et de non-conflit. Pour eux, le plus gros risque, c'est de devenir ami avec quelqu'un et que ça se passe mal après en fait. C'est pour ça qu'ils prennent le temps d'être sûrs que ça peut bien se passer. C'est pour ça puis on a, et puis, on n'a pas les mêmes repères, c'est-à-dire qu'ils mangent très tôt par exemple. Nous, ici, là, quand on invite à manger, il faut inviter les gens à manger à 5 heures, ce qui est pour nous, Français, complètement impossible, quoi. Et puis, les gens, dès qu'il y a des enfants dans une famille, c'est vrai qu'ils adorent la vie de famille. Ils adorent leur petit cocon familial. Donc c'est plus compliqué. C'est pas l'ambiance chaleureuse, improvisée, etc., qu'on peut connaître en France ou au Québec. C'est beaucoup plus sage, entre guillemets. Voilà. Intéressant. Monsieur le consul général, vous êtes arrivé en septembre à Vancouver ou vous y étiez déjà un peu avant ? Non, je suis arrivé exactement le 24 août et voilà, une petite semaine de remise de jet lag et puis le début des fonctions ici le 1er septembre en famille avec ma femme et mes deux filles. Donc, Et donc, ce qui vient d'être dit par Xavier Julien, ça fait un peu écho à votre ressenti aussi ? Oui, tout à fait, ouais, effectivement. Ouais. C'est un peu la même évaluation où on sent que les gens sont un petit peu plus gardés, prennent le temps. Et ce que disent Julien et Xavier fait vraiment beaucoup de sens, quoi. Je trouve que j'ai appris beaucoup de choses en tant que nouvel arrivant. Donc, je trouve que c'est vraiment très utile d'avoir aussi un peu l'éclairage sur ces grilles de lecture culturelles, mais avec des enfants, je dirais que Xavier dira peut-être la même chose, confirmera, mais c'est un peu plus facile parce qu'on a une connexion avec les parents, avec les écoles, donc voilà, on se croise un peu d'une autre manière. Mais je confirme que ça se fait pas aussi naturellement qu'en France.
Tout à fait. C'est bien de le savoir. C'est ce qu'on se disait aussi hier. C'est que l'idée, c'est pas de vous faire peur, mais simplement, c'est toujours bien d'avoir à l'idée que ça va être un peu différent pour que vous ne soyez pas complètement décontenancé une fois sur place. Mais ça reste une très belle province. Enfin, ça reste, c'est une très belle province. Et c'est vrai que là, les quelques mois que j'ai passés sont vraiment une découverte tous les jours, quoi. Exactement. Et puis ce côté avenant de prime abord, un peu l'avocat, comme tu disais Julien, le fait que le contact est facile, même si on ne fait pas de tout le monde des amis, quand on vient d'arriver, ça fait super plaisir parce que pour être allé dans des pays où c'est un petit peu plus dur de parler aux gens, c'est culturel, c'est pas qu'ils sont moins sympas, et ben c'est vrai que quand on est nouvel arrivant, c'est quand même agréable de se sentir un petit peu accueilli, si je puis dire ça comme ça. Quelqu'un nous demande si le permis de travail post-diplôme obtenu après des études au Québec sont utilisables en Colombie-Britannique. Il n'y a aucun problème, les permis post-diplôme sont des permis ouverts sur l'ensemble du Canada. Donc, si tu veux déménager de l'autre côté, tu aurais tort de t'en priver vu tout ce qui a été dit ce soir. À part Kijiji, quel autre moyen a-t-on pour trouver un logement, selon vous? Les groupes Facebook fonctionnent beaucoup de francophones. C'est le bon moyen. Et après, pardon, sur la Colombie-Britannique, il y a aussi beaucoup de... On n'a pas en fait d'agents immobiliers pour la vente, mais pas nécessairement pour la location. Donc, ce qu'il faut parfois aussi... alors, il faut être sur place, mais il faut se balader en fait. Parce qu'il y a des panneaux devant les buildings en fait, avec ce qui est disponible et comment les contacter. Et moi, j'en parle, c'est vraiment une grosse partie de mon webinaire là, mais il y a aussi l'équivalent du Bon Coin là. Le Bon Coin en France là, ça s'appelle Craigslist. Donc, c'est un gros site de référence... il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des arnaques, hein, donc on parle beaucoup des pièges, etc., etc. Mais Craigslist, oui. Et puis comme disait Julien, pour le travail où ça marche beaucoup, ça peut marcher de bouche à oreille là. Les logements, ça peut être aussi un peu pareil. Voilà. Donc beaucoup de colocataires, par exemple, qui vont quitter leur colocation puis qui vont poster sur les réseaux sociaux. Voilà, je quitte dans un mois. On cherche quelqu'un pour me remplacer, etc., etc. Il faut vraiment être sur les réseaux sociaux de francophones ici à Vancouver, enfin en Colombie-Britannique. Pour voir tout ça passer. Très bien, merci beaucoup. Je me souviens être allée, parce que j'ai une question qui me rappelle ça, je suis allée voir une amie à Vancouver en 2017 et c'est vrai qu'elle avait une voiture, ce qui était super pratique pour aller à gauche, à droite. Est-ce que pour vous, vivre à Vancouver sans voiture, enfin peut-être même pas que Vancouver, peut-être en Colombie-Britannique, est-ce que c'est envisageable? À Vancouver, oui. En Colombie-Britannique, non. Ouais, c'est ça, exactement. Le réseau de transport en commun dans l'agglomération de Vancouver, entre le SkyTrain, les bus, Uber, les taxis, etc., ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien. Donc, c'est complètement possible. Mais dès qu'on veut sortir de l'agglomération... Alors, c'est complètement possible, mais évidemment, avec quand même quelques limites. Hein, si on veut rentrer à 3h du matin, ça va être un peu plus compliqué. Mais dès qu'on sort de l'agglomération de Vancouver avec les étendues de forêt, de nature, etc., c'est compliqué. Mais il y a de la location de voitures, il y a des sites de partage de voitures, il y a aussi, si c'est pour utiliser sa voiture très ponctuellement, il y a des solutions. Très bien, merci beaucoup. Julien, est-ce que tu souhaites que je partage Oui, on parlait un peu, on a rassemblé des chiffres un peu sur Vancouver. Rapidement, c'est 80 km en fait de connexion, ce qui est SkyTrain, Light Rail et tout ça. Trois grosses lignes principales, on a aussi des bateaux, donc il y a pas mal de choses. Il y a énormément de bus et globalement, c'est une congestion quand même qui est assez inférieure à ce qu'on peut retrouver à Toronto ou même à Montréal. Donc, comme le dit Xavier, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Moi, j'ai eu une voiture pendant mes 4 premières années et ça fait 4 ans que j'ai plus de voiture. Et je m'en porte très bien. L'assurance étant très chère ici en Colombie-Britannique pour les voitures, des fois, ça vaut plus le coup de louer à l'occasion, soit en car sharing, soit directement chez un loueur. Très bien. Merci. Justement, si on reste sur la voiture, quelqu'un nous demande, du coup, quand on vient s'installer en Colombie-Britannique, après un certain temps, il faut aussi changer ses plaques, c'est ça? Ça vous parle, l'immatriculation? Vas-y. On change ses plaques. En fait, dès qu'on achète une voiture, on change les plaques. Voilà. Et si on a sa voiture dans une autre province et qu'on arrive en Colombie-Britannique, on a 90 jours de mémoire. On a 90 jours aussi, mais il faut surtout passer une inspection. Moi, je conseille toujours aux gens, surtout quand ils viennent du Québec, de ne pas venir avec leur voiture ici, mais de la vendre au Québec et puis d'en racheter une ici. Le marché de l'occasion est très très florissant, il y a beaucoup de voitures, les voitures sont globalement moins chères que ce qu'on trouve en France quand même.
Donc, parce que venir avec une voiture puis prendre le risque qu'elle soit refusée à l'inspection ou alors qu'on ait 4 000 $ de réparation pour qu'elle puisse être assurée, c'est une prise de risque, hein. Je parle en connaissance de cause avec des collègues là, qui ont été obligés de retourner au Québec pour vendre leur voiture parce qu'elle était invendable ici où ils avaient trop de frais. On va surtout chercher les points de rouille, hein, puis quand on vient d'autres provinces qui ont beaucoup de neige, beaucoup de sel sur les routes, etc., souvent il y a des gros frais pour faire valider sa voiture ici. Donc vendez-la, et puis rachetez-en une ici. Très bon conseil, merci beaucoup. Quelqu'un me demande également si on peut passer son permis de conduire. Effectivement, on peut le passer au Canada. C'est juste que c'est un système de permis de conduire par étape. Au début, on ne peut pas conduire tout seul, pas la nuit. Il y a différentes de choses comme ça à savoir. On avait rédigé un article, un dossier sur pvtis.net il y a quelques années sur passer son permis de conduire au Canada que je vous invite à regarder. Il n'est pas forcément hyper, hyper à jour, mais ça vous donnera un petit peu les différentes étapes, à moins que l'un d'entre vous ait passé peut-être son permis au Canada? Non, c'était avant. Ok, donc je vous laisserai regarder cet article-là. Et puis pour tout ce qui est achat d'un véhicule, hein, sur PVTiste, on a aussi un dossier sur l'achat d'une voiture au Canada. Donc on va récapituler un petit peu tout ça, puisqu'effectivement, selon la province où vous allez, ça peut encore une fois changer, comme à peu près tout au Canada. En fait, tout change partout. Donc ce que vous avez peut-être pris pour acquis dans une province ne s'appliquera pas forcément dans une autre. Voilà. Quelqu'un nous demande si on est payé tous les mois, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ce Non, genre de choses. la règle locale en fait, et elle s'applique à peu près dans toutes les provinces, il y a des légères déviations, mais c'est soit toutes les 2 semaines, soit tous les 15 jours. Donc soit vous avez 26 payes par an, soit 24 payes par an. Et la règle est souvent que l'employeur doit vous verser votre salaire au maximum 5 jours ouvrés après la fin de la paye. Donc les payes souvent finissent en fin de semaine, donc vous la recevez maximum le vendredi qui suit. C'est ça la règle. Et après, l'employeur a deux choix. Soit de vous payer vos vacances. Donc, au Canada, c'est minimum 2 semaines par an. Donc, c'est 4%. Donc, c'est soit rajouter ces 4% sur chaque paye, soit les cumuler. Et après, quand vous prenez des congés, pour que vous êtes payé en congé payé. Et vous ne voyez pas de différence sur votre paye. Et il y Très a un bien. impôt, et Et l'impôt le... sur le revenu à la source aussi, parce que je voyais que la question passait. Oui, Voilà, tout à fait. on est prélevé à la source et après il y a un rattrapage, donc soit un tax return, soit on doit payer un peu plus quand on fait notre déclaration d'impôt. Et souvent, c'est bien fait pour qu'il y ait plutôt de l'argent qui revienne plutôt que Ouais, en fait, l'inversement. c'est ça. Et puis, comme disait Julien tout à l'heure, les Canadiens n'aimant pas les zones conflictuelles, ils préfèrent redonner de l'argent aux gens plutôt que d'aller en chercher chez les gens, puis de, voilà. Exactement. Puis en PVT, quand on ne fait pas une année complète sa première année, comme on est en fait taxé sur le salaire qu'on gagne ramené à l'année, si on n'a travaillé que 6 mois de l'année, on a en fait en général on a trop cotisé et on va récupérer de l'argent. C'est pour ça que dès le début de l'année, vers le mois de février jusqu'au mois d'avril, c'est la période des déclarations d'impôts qui sont souvent pas un coup de massue pour vous justement parce qu'il y a cette imposition à la source. Je vois qu'on a dépassé 1 h 15 de live. On va prendre encore une ou deux petites questions et ensuite je vais vous libérer pour vos différents engagements puisque pour vous, la journée commence. Vous avez sans doute d'autres rendez-vous. Alors, tout ça, c'est pareil. Tout ce qui est un emploi bien précis, je vous invite à consulter nos experts du soir, à les contacter directement. Je pense que ce sera plus simple. Et puis, pour ce qui est des équivalences de diplômes, alors on utilise souvent équivalence, mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Sur plein de diplômes, on n'a pas besoin d'une équivalence pour travailler au Canada. C'est surtout quand on travaille dans un domaine qui est réglementé. Si notre profession est réglementée, on n'a tout simplement pas le droit de l'exercer sur le territoire canadien avec notre petit diplôme belge ou français. Dans ce cas-là, il faut se tourner vers l'organisme qui régit notre profession ou l'ordre qui régit la profession pour voir comment obtenir cette licence, certification ou équivalence pour avoir le droit de travailler. Mais sur plein de diplômes, vous n'avez pas cette question qui se pose. Je voulais le préciser, c'est pas systématique de demander des équivalences. C'est ça. Peut-être que Julien a quelque chose à Non, ajouter non, ou non, à étudier. c'est exactement ça. Lorsque c'est un métier réglementé, il y a tout un travail. Équivalence, c'est des fois aussi des tests et des fois être supervisé par une autre personne de l'ordre pendant un certain nombre de mois. Et après, pour d'autres choses, il y a pas besoin. Sur la partie immigration, des fois, il y a besoin de faire traduire. Mais ça, c'est un autre sujet qui n'est pas directement lié à l'emploi. Exactement. Bon, et puis si on prend une dernière petite question qui est pour ceux qui vont rester en Colombie-Britannique, ça vous l'avez peut-être testé les uns et les autres, l'achat d'un logement au Canada, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est cher? Est-ce que comment ça se passe? Alors,
Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, déjà, en termes de PVTiste, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui sont mises en place et qui font que si on n'est pas résident permanent, il y a une taxe qui, je n'ai plus le chiffre, c'est plus de 30%, je crois, sur l'achat de la maison. Donc en gros, il faut être au minimum résident permanent pour acheter une maison. Après, il y a tout un... Moi, j'ai des contacts de ce qu'on appelle les mortgage brokers, là, donc pour emprunter. Techniquement, c'est pas très compliqué, mais enfin, c'est même assez simple, je trouve. J'avais acheté des maisons en France et on étudie d'acheter une maison ici. Mais par contre, il faut quand même être résident permanent au minimum, quoi. Ok. Non, c'est vrai. Après, en termes de prix, souvent à Vancouver, quand on démarre sur un petit demi-million de dollars, si tout va bien, et ça peut monter plus. Les prêts vont aussi jusqu'à... Souvent, les banques vous proposent plutôt 30 ans déjà pour démarrer. Et la seule différence sur... On parlait de mortgage broker, donc en fait, pour demander de l'argent, tous les prêts, en fait, sont sur 5 ans renégociables. Et soit un taux fixe, soit un taux variable. Les taux variables, on les a quasiment plus en Europe. Mais en fait, ici, ça reste quand même quelque chose qui se fait. Et avec une obligation de renégociation tous les 5 ans, on ne peut pas arriver à verrouiller un taux sur 30 ans. Exactement. C'est ça la grosse différence. Ok, intéressant. Alors, pour ceux qui posent des questions, je vois que certaines ont déjà été répondues. Est-ce que c'est facile d'obtenir la résidence permanente? Sachez que ce live va rester en replay aussi bien sur notre page Facebook PVTiste.net Canada que sur notre chaîne YouTube PVTiste, puisqu'on a traité de ce sujet tout à l'heure. Je vais vous mettre en lien en lien de la vidéo quelques dossiers thématiques sur le site, notamment un qui reprend un peu une présentation générale de la demande de résidence permanente. Et après, vous pourrez aller chercher le programme qui correspond le mieux à ce que vous voulez faire, parce que c'est un vaste sujet qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder aujourd'hui. Je vous rappelle que lundi, on se retrouve avec Monsieur le Consul Général de France à Vancouver pour parler des élections 2022 pour les Français qui vivent au Canada. Voilà, vous pourrez nous retrouver dès 18h, heure française, sur YouTube et sur Facebook comme aujourd'hui. Et vous pourrez écouter tout ce que Monsieur le Consul a à vous dire et lui poser vos questions. Profitez-en. Est-ce que je vous laisse le mot de la fin à tous les trois? Si vous avez des choses à dire. Eh bien, c'était une bonne présentation. Hein. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. J'imagine que nos coordonnées vont être affichées quelque part. Voilà, ça sera un plaisir de reparler de la Colombie-Britannique encore plus en profondeur avec vous. Super. Pareil, que ce qu'a dit Xavier, sur le site de Canada Talents, vous avez aussi beaucoup de ressources, des articles de blog, des explications en français et en anglais. Tout est disponible dans les deux langues, donc passez du temps aussi à lire, à poser vos questions, à nous contacter. On est là pour vous aider et je pense que le consulat aussi et toute la communauté francophone est aussi là pour vous aider. Tout à fait. Exactement. Le mot d'affaire. Oui, non, tout a été dit. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Bravo, parce que c'est très professionnel, très très opérationnel, enfin, je trouve. Bravo. Merci. Pour ce travail. Merci à Julien et à Xavier d'avoir partagé toutes ces informations. Et puis, comme je l'ai dit, allez sur notre site. Pour celles et ceux qui vont arriver, inscrivez-vous sur le registre pour pouvoir bénéficier de toutes les informations, les activités et les services que le consulat peut vous proposer. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt pour vous, monsieur le consul, et puis pour les deux autres, à très bientôt. J'en dis ça aussi. On refera certainement des choses en 2022. Merci. Merci.